Qu'est-ce que tu vas faire maintenant qu'il t'a trompé? Et en plus, tout le pays sait. Rien. Rien? Mais non, rien. Je ne comprends pas. Ça ne te dérange pas? Alors, écoutez, tout le monde trompe. Tous les hommes trompent leurs femmes. Donc si on devait se déranger pour des histoires d'infidélité, on ferait ça toute la vie. Et donc tu vas laisser passer? Mais tu veux que je fasse quoi? Il m'a déjà trompée. Donc j'aurais beau crier, ça ne changera rien. On ne peut pas revenir en arrière. Attends, Claudine. En général, les femmes trompées quittent leur mari. Ah bon? Hillary Clinton, elle n'a pas quitté son mari. Non? Et tu veux que moi, je parte? Que je laisse tout ça là et que je parte? Ça ne va pas. Mes filles, vous devez apprendre à voir plus loin. Il faut nous expliquer parce qu'on ne comprend pas. Tous les hommes trompent leurs femmes. C'est comme ça. Donc si tu quittes un homme qui te trompe pour un homme qui va te tromper, ça va changer quoi à ta vie? Donc tu veux dire que tu ne vas jamais quitter un homme parce qu'il t'a trompé? Il y a certains cas, oui. Si un homme pauvre te trompe, là tu peux le quitter parce que tu espères trouver mieux. Mais si c'est un fils de milliardaire qui te trompe, tu vas le quitter pourquoi? Ça n'a pas de sens. Et donc il est tout excusé alors? Ah oui, bien sûr. Mais je ne vais pas lui faire savoir. Non, non. Je vais bouder. Je vais le laisser mariner. Et grâce à cette histoire, je vais pouvoir obtenir tout ce que je veux pour les 6 prochains mois. Ces choses-là, les filles, il faut les prendre à son avantage.